Salut tout le monde, c'est Faden de Mister Fad TV, et bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série sur la DV Lottery. Aujourd'hui, nous allons plonger plus en profondeur dans les critères d'éligibilité, car c'est l'une des étapes cruciales pour participer à la DV Lottery avec succès. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. C'est parti! Les critères d'éligibilité déterminent si vous pouvez participer à la DV Lottery ou non. Il est essentiel de comprendre ces critères pour éviter de perdre du temps et des efforts si vous ne remplissez pas les conditions nécessaires. Alors, quels sont ces critères? Commençons par le premier. Votre pays de naissance. Pour être éligible, vous devez être né dans un pays éligible. Certains pays ont des quotas de visa plus élevés que d'autres, alors assurez-vous de vérifier si votre pays est éligible. Ensuite, il y a le critère d'éducation. Vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons comment évaluer votre éducation si vous n'avez pas de diplôme d'études secondaires. L'expérience de travail est également importante. Vous devez avoir au moins 2 ans d'expérience de travail au cours des 5 dernières années dans une profession éligible. Nous vous montrerons comment déterminer si votre expérience de travail correspond aux critères. Ce sont les principaux critères, mais il y en a d'autres, comme la photo de candidature, l'inscription en ligne et la manière de vérifier si vous avez été sélectionné. Nous aborderons tous ces sujets en détail dans nos prochaines vidéos. Si vous pensez que vous pourriez être éligible, ne manquez pas notre prochaine vidéo où nous vous montrerons comment participer à la DV Lottery. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et de commenter ci-dessous pour nous dire si vous pensez.